Mr. Tades, welcome. I'm your translator. Thank you. Ladies and gentlemen, good evening to you. I do have some words to share to you. I prefer to make it in a short speech format, so that I'll deliver the speech to you. Let me first thank the directors, Alain Pascal Houssios and Patrick Duchesne, for inviting us tonight and for giving us the opportunity to be partners of the screening of Shattering Shadows at the Cinéma Flagey. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, je vais commencer par une petite introduction pas trop longue. Je voudrais d'abord remercier les directeurs, les réalisateurs du film, Alain Pascal Houssios et Patrick Duchesne, pour leur invitation et pour nous avoir donné l'opportunité d'être partenaires de la diffusion du film ici à Flagey. This film is a co-production between Germany, Belgian and Ethiopian organizations. In this sense, it's an important project in the cultural cooperation between Ethiopia and European countries. Donc ce film est le résultat d'une coproduction entre des organisations allemandes, belges et éthiopiennes. Et dans ce sens, c'est un projet de coopération culturelle important entre l'Éthiopie et des pays européens. Moreover, both filmmakers have developed a strong relationship with Ethiopia, its people and its nature. This kind of human relationship is important because it's a ground on which different peoples can come together in the spirit of respect and mutual understanding. Et donc cet aspect de coopération est aussi exprimé dans le fait que les deux réalisateurs ont développé un lien très fort avec l'Éthiopie, son peuple et son paysage, et que c'est sur ce type de relation que les peuples peuvent se rencontrer dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle. The film Shattering Shadow was already featured in major European film festivals and was selected for the Addis Ababa Film Festival next year. We would like to congratulate the directors, the producers, the actors and the crew for the successful production of the film. Le film L'éclat furtif de l'ombre a été déjà projeté dans des festivals européens importants et il a aussi été invité à Addis Abeba en 2015 pour le festival du film. Et donc nous voudrions les féliciter toute l'équipe du film pour ce succès. We heard that Joseph Farrell, the main actor of the film, has recently suffered a cardiovascular attack. We would like to transmit him our best wishes for a quick recovery. Nous avons entendu que l'acteur Joseph Farrell, qui est l'acteur principal du film, a souffert d'une attaque cardiovasculaire récemment, et donc nous voudrions lui transmettre nos vœux de rétablissement. In the film you are going to watch, Ethiopia is presented through the memories of a man. These memories are filled with colors and sounds, but also with silence and suffering. It's the fact that Ethiopia had a painful history and memories in the past. Donc dans ce film, vous allez voir l'Éthiopie telle qu'elle est présentée à travers les mémoires d'un homme. Ces mémoires sont emplies de couleurs et de sons, mais aussi de silence et de douleur. Et c'est un fait que l'Éthiopie a eu une histoire récente douloureuse. For the last 20 years, however, the country has been making unprecedented efforts to address this burdensome legacy and work towards development and democracy. Et durant les 20 dernières années, le pays s'est attaqué à cet héritage lourd. Pour se développer vers un développement économique et la démocratie. A number of results of this national commitment is already achieved, such as stability and rapid development.
Young people are working and contributing to the development of the country. In fact, the government is giving due consideration to create opportunities for young Ethiopians. Un certain nombre de résultats ont déjà été atteints par le pays, comme la stabilité et le développement qui est rapide. Et les jeunes aujourd'hui en Éthiopie travaillent et contribuent au développement du pays. Et le gouvernement, lui, donne beaucoup d'importance à ce fait-là, que les jeunes soient impliqués. Moreover, Ethiopia achieved several millennium development goals, like drastically reducing poverty, child and maternal mortality, HIV, AIDS and malaria prevalence. It can be also observed that while Ethiopia was a source of migration 20 years ago, it has already become a destination for refugees coming from neighboring countries. Donc, un des aspects de ce développement, c'est le fait que l'Éthiopie est en bonne voie pour réaliser certains des objectifs du millénaire défini dans le cadre des Nations Unies, comme la réduction de la pauvreté, de la mortalité infantile et maternelle, ainsi que du pourcentage de personnes atteintes du virus du VIH et de la malaria. Moreover, on peut aussi dire effectivement que alors que l'Éthiopie était une source de migration il y a 20 ans, aujourd'hui c'est l'Éthiopie qui accueille en fait des réfugiés des pays environnants. Moreover, the country has become an important actor for peace and stability in the region by sending peacekeeping forces in heavily war-affected areas of the continent. The most striking feature of this development is the rapidity of the change happening in the country. The goal of the government is to achieve the status of a middle-income country by 2025, with a climate-resilient economy. Donc le pays en tant que tel est devenu un pôle de stabilité dans la région. Et contribue à cette stabilité notamment par l'envoi de troupes de maintien de la paix dans les pays de la région, notamment dans le cadre de l'Union africaine. Mais le point le plus frappant dans ce développement du pays, c'est la rapidité avec laquelle les changements arrivent. Et le but du gouvernement actuellement, c'est d'atteindre le statut d'un pays à revenu moyen en 2025, et ce faisant en gardant des critères écologiques très stricts. As an embassy, we are doing our best to contribute to these changes which benefits the Ethiopian people as a whole. Our work is multifaceted, and we are welcoming any cooperation in business, tourism and cultural matters. Donc, en tant qu'ambassade ici à Bruxelles, nous faisons de notre mieux pour contribuer à ces changements qui sont bénéfiques pour le peuple éthiopien. Et donc notre travail a de nombreux aspects et nous sommes à l'écoute de toute demande de coopération dans les domaines des affaires, du développement économique, du tourisme et aussi de la sphère culturelle. Me and my colleague Mr. Robel Admasu, who is here with us in charge of economic diplomacy at the embassy, would be to meet you after the film to engage a discussion about this. We are also ready to participate to the discussion directly after the film if questions regarding Ethiopia are raised. Moi-même et mon collègue Robel Admasu, diplomate en charge de la diplomatie économique à l'ambassade, nous sommes heureux d'être à votre disposition après le film pour engager des échanges sur ce sujet, et nous sommes prêts également après le film à répondre à des questions qui seraient posées spécifiquement sur l'Éthiopie aujourd'hui. In conclusion, I would like to invite you warmly to pay a visit to Ethiopia and experience its hospitable people and tourist attractions you will never forget. Et pour conclure, j'aimerais vous inviter chaleureusement à visiter l'Éthiopie si ce n'est déjà fait, pour faire l'expérience de l'hospitalité de son peuple et des attractions touristiques, de ses paysages et de ses traditions. Et donc, j'ajoute que vous pourrez déjà en avoir un avant-goût avec une
petite cérémonie du café qui vous sera proposée juste à la sortie du film. And last but not least, I would suggest participants or invitees to attend the Ethiopian stand closer to the entrance and be able to test the famous Ethiopian coffee. Don't miss this opportunity. Thank you for your cooperation and attention. Thank you very much, Mr. Tadest. Thank you for the translation. Flagey et Cinémathèque sont très heureux de pouvoir sortir l'éclat furtif de l'ombre sur l'écran du Studio 5. Alors, c'est un premier film, un premier long métrage comme réalisateur de ces deux auteurs, mais ce ne sont pas des inconnus dans le monde du cinéma. Avant ça, Alain Pascaluzio et Patrick Deschênes ont contribué aux aspects visuels de films d'autres cinéastes. Pour ne parler que de ceux qu'on a eu l'occasion de montrer sur l'écran du Studio 5, je peux citer Une part du ciel, de Bénédicte Liénard, Le tango de Rachevski, de Sam Garbarski, Un honnête commerçant, de Philippe Blasband, Le huitième jour, de Jaco van Dormael. Mais peut-être le film le plus significatif auquel ils ont collaboré par rapport à l'éclat furtif de l'ombre, c'est Tesa, qui était également sorti ici à Flagey. C'est le film de Haile Gerima, qui est tourné en Éthiopie, sur des lieux qui ont inspiré les auteurs pour leur propre long métrage que vous allez découvrir. Alors avant la projection, je voudrais leur céder la parole pour vous dire quelques mots. Merci d'accueillir Alain Pascaluzio et Patrick Deschênes. Merci, bonsoir. Je pense que nous n'allons pas être trop longs parce que place aux images, place au cinéma. Je tiens à remercier vraiment chaleureusement, enfin nous tenons à remercier chaleureusement Cinémathèque et Flagey de donner au film l'opportunité de cette fenêtre. Et ben, je vous remercie également, enfin on vous remercie également de votre présence nombreuse. Ça fait quelque chose de très... très bizarre à l'intérieur du cœur, mais voilà, je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui partagent le même travail que nous, que ce soit dans la décoration ou dans la création. Je pense qu'il faut, se tenir ensemble. Ce sont des projets qui sont des fois difficiles. Celui-ci en est un. Et voilà. Et donc, je vous remercie vraiment très, très fort du fond du cœur. Tous ceux qui sont là, qui ont travaillé, plus tous les autres qui n'y sont pas, qui n'avaient pas la possibilité d'être là ce soir. Je vais citer personne, mais tout le monde est présent, en tout cas, là, ici, avec les images. Et je pense que c'est la seule chose qu'on vous souhaite, ben, c'est de goûter à cette Éthiopie. Merci, Monsieur Tesfay, de votre intervention. Merci à travers vous. Merci à l'Éthiopie. Merci également au restaurant Too Cool qui participe également à cette organisation. Voilà. Moi, je vais rien ajouter. Le film vous appartient. Je vous souhaite une bonne projection. Merci pour ce film. J'ai l'impression, peut-être est-elle partagée, que un des moteurs du film est une sorte de choc esthétique que vous avez eu pour les décors en Éthiopie. Oui, je ne dirais pas que c'est un choc esthétique, je dirais que c'est un choc de matière, de poussière, de lumière, de rencontres, de gens, d'une culture qui nous a vraiment marqués, oui. Mais globalement, c'est un film sur des lieux, sur deux lieux. C'est une personne dont les comportements, la psychologie, le tempérament est conditionné par un environnement physique très différent des deux côtés. Oui, et c'est ce contraste qui nous a plu de travailler dès les premières étapes d'écriture, vraiment. Donc à la fois, il y avait pour nous ces longs retours vers la terre éthiopienne, puisque ça il y a plusieurs étapes de repérage qui ont eu lieu, donc, et pour nous, donc on a vraiment puisé à cette terre et la mettre en confrontation d'abord, ou tenter du moins de la mettre en confrontation avec nous pour
petit à petit s'en dégager à travers la construction de la fiction de ce personnage. Et donc c'est une réelle invitation qu'on a toujours souhaité entre ce que nous pensons connaître ou percevoir de la culture éthiopienne, qui n'est qu'une toute petite part, et qui a été, je pense, merveilleusement traduit par l'ensemble des acteurs non-acteurs avec lesquels nous avons travaillé, et puis notre perception, ce qui nous interpelle ici, et voilà, donc c'est cette offre, cet équilibre qu'on a tenté, qu'on a recherché à travers tout ce travail. Je ne sais pas si vous souhaitez le faire, mais est-ce que vous avez envie d'expliciter le titre, L'éclat furtif de l'ombre? En anglais, c'est un petit peu différent, Shattering Shadow, ce serait plutôt l'ombre éclatée. Oui, ben on a voulu travailler essentiellement par rapport à cet exil, cette solitude. On a essayé de toucher au plus simple de l'individu, c'est-à-dire à ce que chacun ressent profondément en soi, tout simplement, sans éclat, sans drame, sans pathos. Et l'éclat furtif de l'ombre, ce sont tous ces moments qu'a dissous, plus vieux, se remémore. Ce sont toutes ces bribes, tous ces éclatements qu'on peut aller chercher dans sa mémoire au moment où on sent peut-être que les choses dérapent ou glissent. Et donc l'éclat furtif de l'ombre est parti de là. Il y a encore... Oui, je pense qu'on est chacun confronté dans sa vie à des moments où effectivement ça peut basculer, c'est ces charnières-là. Et des fois, rétrospectivement, c'est ce qu'on a essayé avec le personnage principal, le personnage du taximen. À quel moment est-ce qu'une vie peut basculer chez moi? Quelles sont ces charnières? Et c'est donc cette frontière, ce titre qui est également cet oxymore entre éclat et ombre, parce que très vite on peut tellement basculer, et c'est cette fragilité-là qu'il nous importait de questionner et de tenter par l'outil du cinéma et aussi par une forme d'esthétisme peut-être qui est pour nous c'est accorder une noblesse à des gens qui peuvent être fracturés, dont la vie peut être fracturée par moment. Et en accord avec Frédéric Noirhomme, qui est ici dans la salle avec bonheur d'ailleurs, et Hélène Louvard, puisque donc ils ont été à deux à travailler, c'est ce questionnement là sur comment effectivement aborder cette lumière, aborder ces peaux qu'on dit sombres mais qui sont tellement profondes. Et c'est toutes ces choses-là qui nous ont intéressés de nous confronter. Voilà. Mais c'est annoncé dans le titre avec ce contraste entre l'éclat et l'ombre, mais c'est aussi un film sur la lumière. Les scènes africaines sont très très lumineuses, c'est une lumière presque blanche, et puis d'un autre côté, la partie européenne est nocturne ou hivernale. Oui, ben c'est une question de reflet aussi. Là encore, je fais référence à ce fort dialogue qu'on a pu avoir avec Frédéric, notamment ici pour les parties européennes, sur toute cette notion de reflet, de renvoyer, tenter de multiplier les éclats, les reflets, toutes les parcelles qui peuvent susciter une résonance à la fois visuelle. Et ce travail, on a tenté de le mener également au niveau du son. Et là, c'est un autre collaborateur vraiment très précieux, qui est David Ménessier, qui a été ce conseiller musical avec lequel on a eu la chance de rencontrer. C'est un homme de radio, et donc c'est aussi quelque chose qui nous interpellait depuis le début. Et nous souhaitions également que ces éclats ne soient pas que visuels, mais soient également d'ordre du son, du mélodique, et tenter d'aller chercher des voix qui pouvaient répondre et résonner, surtout. Alors, vous montrez deux sociétés, si on veut une interprétation un peu, je dirais, politique, entre guillemets, deux sociétés où l'individu est oppressé, mais de façon très différente. Oui, parce que les circonstances... Là, on a cherché à travailler sur le temps, donc, puisqu'on remonte... quelque part, le film prend un peu en otage la terre éthiopienne pour parler de son histoire, assez lointaine maintenant, fort heureusement. Mais de fait, la notion
de solidarité était quelque chose que, qu'on souhaitait montrer, et notamment en Éthiopie, avec cette séquence du corps porté, cette notion qu'un corps ne s'abandonne pas, ne se laisse pas au bord de la route, et c'est aussi un questionnement que je pense qui peut faire, qui peut trouver résonance peut-être dans nos sociétés qui sont entre guillemets, ou peut-être même clairement, franchement, un peu plus favorisées. Voilà. Donc, mais pour nous, l'Éthiopie, donc, ça a été une rencontre. Là, je fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure, mais l'Éthiopie a correspondu à un coup de foudre, vraiment, à travers ce film que vous citiez de Haile Gerima. Et puis, donc, tout ce processus de création s'est mis un peu en route. Je ne vais pas dire à travers nous, en dépit de nous, non, parce que je pense que vraiment, on a cette envie d'aller, de mener à bien tout ce projet. Et je viens d'oublier ce que je voulais dire. Cela dit, par rapport au contenu, le film n'est pas narratif, enfin, n'est pas explicite. Vous avez choisi un mode narratif assez particulier qui procède par des climats, des symboles, des allusions. C'est dès l'écriture que vous avez choisi ces fonctions-là. C'était un parti pris qu'on voulait. On ne voulait pas avoir une narration linéaire. On ne voulait pas non plus expliquer à tous les spectateurs ce qu'on avait, nous, pensé. On voulait aussi laisser le film le plus ouvert possible pour que chacun ait une marche personnelle et que chacun puisse se projeter par petites touches dans les personnages qui sont montrés à l'écran. Et le parti pris était d'éclater toutes sortes de moments plus fugaces, plus intimes, plus dramatiques, et de les mélanger tel un flux à cours d'eau qui passe d'un endroit à l'autre calmement, et à travers les oiseaux, à travers la lumière, à travers le son. C'était glisser comme ça d'un univers à l'autre et tenter de donner une sensation, un sentiment, ou tenter de raconter une histoire à travers toutes ces émotions qu'on vit parfois nous-mêmes dans la rue quand on traverse une ville. On est suscité par beaucoup de choses différentes qui font en fin de journée un récit. C'est toute une matière vivante qui est revenue d'Éthiopie, puis qui s'est collectionnée en bord de Meuse, et puis tout ça a été remis entre les mains d'une dame merveilleuse, une grande dame du cinéma belge, Marie-Hélène Dozo, qui a pris cette matière et depuis le début, donc déjà dès les premiers moments de repérage où on revenait avec nos sales images, parce que ce n'est pas notre outil, nous autres, nos sales images qu'on captait comme ça. Mais Marie-Hélène fait partie intégrante de ce processus d'écriture, et ça a été un moment béni de travailler avec elle, quelle chance. Et puis vraiment. C'est la première chose qu'elle nous a demandé. Est-ce que le script est une Bible? On lui a dit non, absolument, c'est une matière vivante, et on a travaillé ensemble. Et je veux dire, la ligne, la trame écrite, enfin, ces contrastes entre jour et nuit, ces successions d'éclats étaient sur le script, mais elle a ajouté ce fluide, et puis une collaboration qui s'est aussi très rapidement, à sa demande, opérée avec la palette, la couleur musicale que David Menessier a déposé très très rapidement. D'abord, il nous a proposé des choses, et puis voilà. Et puis Marie-Hélène a souhaité travailler avec, je pense, dès la fin de la deuxième semaine de montage, le son était déjà là. Et le son, et je vais dire, et aussi tout le merveilleux silence éthiopien qu'on a rencontré là-bas. À propos de silence, le relatif mutisme du personnage, son caractère un peu introverti, impose une expression, ouvre la porte à une expression d'autant plus visuelle et d'autant plus cinématographique. Oui, et c'est une. Oui, c'est un. Enfin, on a eu vraiment beaucoup de moments bénis. Entre ce personnage au départ, donc ouais, je vous raconte un peu les dessous de l'histoire, peut-être que ça va vous ennuyer, si vous pouvez me dire, je peux m'arrêter parce que c'est parti. Donc au début, le personnage éthiopien, le personnage d'Adissou, jeune, un bébé, Ephraim Wale, pour citer tout son nom, était le personnage principal, celui qu'on allait peut-être perdre à l'entrée du désert, aux approches du désert. Et puis ce travail sur la mémoire, de déconstruire cette histoire,
de travailler sur cette notion de l'exil est venu. Et donc, il nous a fallu trouver quelqu'un qui pouvait ressembler avec, malgré le passage et les ravages de l'âge. Et donc, c'est encore une fois un hasard, puisque Joseph, hélas, comme M. Tadesse l'a exprimé tout à l'heure, il est hélas alité, et je pense qu'il n'aura jamais l'occasion de voir le film sur grand écran. En tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui lutte également. Et c'est un réel chauffeur de taxi, et il nous a apporté toute la patience qui est aussi une des grandes vertus, si je puis dire, ou de ce métier. Et lui nous a dit, si c'est son histoire, alors il n'est pas éthiopien d'origine, il est haïtien, mais il est parti aussi quand il avait 20 ans, et là on était avec les tontons Makout et compagnie, et il pensait lui aussi qu'il allait revenir, et puis il n'est jamais revenu, il est resté ici, il a fait sa famille ici, et puis voilà. Mais c'est chargé de cette histoire à la fois en tant que chauffeur de taxi et en tant qu'homme, et en ayant vécu lui-même cette fracture, qu'on a pu travailler, et il a voulu travailler. Il nous a dit, moi je crois que je pourrais, laissez-moi écrire une lettre à une de mes sœurs avec laquelle je me suis disputé il y a, et je crois que je peux. Et donc et c'est encore une fois à l'écoute de lui, de ce qu'il donnait, même sous la forme muette, que nous avons tenté, avec encore une fois avec Frédéric, d'orienter la caméra vers lui. Voilà. Mesdames et messieurs, la parole est à vous. Avez-vous des réactions, des questions par rapport au film ? C'est magnifique. Merci. Merci collectif, parce que vraiment, c'est un travail collectif. C'est un travail d'acharnement de beaucoup de personnes, vraiment. Oui, il faut signaler que ce type de film, outre le problème du financement et de trouver des financements, s'est étalé sur 6-7 ans avant d'en arriver là. Et c'est grâce à l'assiduité de tout un groupe de personnes qui ont soutenu tout le travail depuis le début qu'on a pu en arriver là. Et je veux dire, le film, c'est qu'on est retourné souvent en Éthiopie avec Nico Bunik, un preneur de son. On a fait des prises de son directes. Les gens, sachant qu'on revenait, composait des chansons aussi, on rencontrait les gens, on travaillait avec eux, on revenait, on rencontrait Joseph. Tout le scénario s'est construit comme ça, de bloc, en réécriture et en retour en Éthiopie. Et voilà, c'est le résultat que ça donne. My question is, really, have you really gone through the cultural aspect of Ethiopia before really going through the movie? I mean, how much time did you indulge or give time to really study the culture perspective? Because, for example, for Ethiopia, it is for Ethiopian guy, it would be very hard to live all by himself for the rest of his life. You know, either he had to marry or he had to mingle with with Ethiopian nationalities. Perhaps in Belgium. So, I mean, my question is, all in all, how do you really figure out the cultural perspective of the country? Yeah, it happens to take place in Ethiopia. Once we have been there a long time, since the film from Haile Gerima, it was in 2003. We went there every year, so we stayed there a long time. But we wanted to show, not specially the problem from Ethiopia, but that we wanted to open the film to other country. It take place in Ethiopia, but it can happen in Zimbabwe, it can happen in South Africa. So we don't want it to specialize. This is the culture from Ethiopia. And what you saw here, we write it with the people from Ethiopia too. A lot of things, for example, when they carry the body up, a lot of farmer told us, yeah, it doesn't exist like this here, but perhaps in a dream. So we say, okay, then we can make it like this. And we work all together like this. So it was not specific about the culture from Ethiopia, but we wanted to open it. What is then the message of the producers of this film to participants like us? What message do they want to send, to transmit to the public in producing this film? What exact message do you have in mind? A man's story that you always lost something that you loved, and
Yeah, it is a man's story. Something really simple, but that every people can live. D'autres réactions, d'autres questions? Comment est-ce que vous avez trouvé l'acteur principal, le jeune? Comment vous l'avez rencontré? Au hasard, je vais dire, au hasard. Un hasard qui fait que, quand nous étions impliqués sur le film de Haile Gerima, toute l'équipe, tout le tournage, c'était un gros tournage, vraiment, tourné en 35 mm et tout ça, en 2003, comme Patrick l'a dit. Donc c'était une grosse équipe avec des gens qui venaient aussi bien d'Afrique du Sud que des États-Unis et des Éthiopiens, bien évidemment. Et il y avait un personnage dans toute cette nombreuse équipe qui était rassemblée dans un hôtel au bord du lac. D'ailleurs, l'hôtel on ne le voit pas, mais il n'est pas très très loin. Voilà, il y avait un hôtel qui pouvait accueillir la nombreuse équipe. Et il y avait un membre des cuisines qui était un réel sourd et muet. Et lui, chaque fois, il voyait partir tous ses copains, puisque bien évidemment tout le village était réquisitionné pour ce tournage. Et donc lui, il voyait tout le temps partir les gens, il partait jamais. Donc lui, il avait un peu attiré notre attention. Donc cette notion de la surdité et de la difficulté de l'expression, d'exprimer comme nous est à tous donné la possibilité, c'était quelque chose. C'est un personnage qui est né à ce moment-là, et c'est avec lui qu'on a ouvert la voie, c'est-à-dire que toutes ces premières pérégrinations en termes de repérage, puisqu'il faut savoir que ce lac qu'on voit, il est situé plutôt côté ouest du pays, donc vers le Soudan, et donc en prenant ce qu'on appelle les hautes terres éthiopiennes, donc on est allé jusqu'à la frontière de Djibouti. Donc physiquement, on y est allé également. Donc les deux points sont distants. C'est un très très grand et très fabuleux pays. Bon. Et puis bon, ben là, les hasards de la vie font que cet acteur sourd et muet a quitté le projet. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons. Et dans un des repérages, on avait trouvé celui qui est devenu le personnage principal, qui était un jeune gamin, et c'est dans une des villes les plus historiques de l'Éthiopie, située très 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 haut, la Libella. Donc il est de là, il est originaire de là, et c'était un matin, c'était la saison des pluies, il faisait froid, parce que c'est très haut, on est très haut, il fait très froid. Et donc voilà, Nico Bunic, qui est ici aussi, devait lui rentrer en Europe pour répondre à un appel d'un tournage. Et donc on est allé le reconduire, et ce gamin est venu avec nous. Et puis il y avait cette idée de chasse à la fronde, de chasse aux oiseaux qui tournait dans notre tête. Et on lui a demandé pour voir s'il pouvait nous trouver une fronde. Et oui, puis il est parti, et une demi-heure après, il est revenu. Et donc on a commencé à filmer cette première scène, mais en répétition. Et tout de suite, on a vu que ce gamin avait ce pouvoir d'aimanter comme ça à lui la caméra, et il avait tout compris. Et donc cette caméra qu'on voulait au centre de cette action, donc avec malgré tout de vraies pierres et des choses ainsi, donc il y avait un aspect de danger, en tout cas pour la caméra. Bon, elle ne valait pas grand-chose, celle-là, mais donc il avait tout compris, il avait tout intégré. Et après, quand on s'est aperçu que l'acteur principal, enfin ce personnage principal sourd et muet, on ne le retrouverait plus, eh bien on a été retrouvé à bébé. Et donc, et voilà. Peut-être, puisqu'on parle des comédiens, un mot sur la séquence avec Sarah Doro, qui est une séquence signifiante et un peu une île dans le film. Une île, oui. Oui. Vas-y, je vais chercher. Un parti pris qui pose souvent question. Alors, les gens aiment ou n'aiment pas. Voilà, c'est nous, on assume pleinement. C'était cette idée de ne peut-être pas cantonner le film uniquement dans le ressenti, dans le muet, mais tout d'un coup de proposer ce déferlement de mots pour un personnage qui est de la même nature. Ils ne viennent pas ils n'ont pas la même origine, mais ils ont quelque part la même fracture. Et pour un personnage muet, sur tous les âges pratiquement, que ce soit une femme qui prenne la parole, qui ait sa voix,
et qui nous interpelle. Et quand elle dit peut-être que tu n'entends pas, mais ça n'a pas d'importance, je peux continuer à parler. C'est aussi des choses qu'on souhaitait inscrire. Et Sarah, ben voilà, c'est une tellement grande dame qu'on connaît depuis très 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 longtemps, et on lui a demandé, elle a lu le scénario, elle a été touchée par le scénario et par la séquence. Elle nous a dit dans quelle langue souhaitez-vous que j'accomplisse la scène, que je fasse la scène. On lui a dit la langue que tu veux, ta langue maternelle. Et elle, dans un premier temps, on a travaillé dans ce sens-là. Puis elle a dit non, je trouve qu'il est écrit par le français, et je veux le faire, et il doit être dit en français. Donc elle a fait ce gros travail et voilà. Et c'était aussi une charnière, c'est un moment clé du film, c'est là où le film bascule, et quelque part ce flot de paroles et cette personne qui l'écoute, ils se bercent l'un l'autre, une en parlant, l'autre en écoutant, et puis à un moment donné Sarah ne vient plus, elle parle, elle ne revient pas, alors qu'elle lui a demandé de ne pas partir trop vite. Et là ça a encore une rupture supplémentaire qui fait que le film commence doucement à glisser vers la fin. Et ça vous appartient, ça, je veux dire, on ne peut pas interférer, donc c'est votre vision des choses. En tout cas, merci. Merci à tous, on continue la conversation dans le hall.